geste qui sauve avec la sécurité routière sur Énergie. 47 motards ont été tués sur les routes du Maine-et-Loire ces 5 dernières années, dont 19 suite à une perte de contrôle dans un virage, le plus souvent à cause d'une mauvaise gestion de la vitesse. Alors quel est le geste qui sauve à moto dans un virage? La réponse avec Lionel Chauveau. Il est intervenant au sein de la coordination de sécurité routière du Maine-et-Loire. Déjà, on aborde le virage avec les précautions d'usage. On anticipe, on regarde où on va, on regarde où on veut aller, on regarde loin devant soi. Si on regarde sa roue, si on regarde son pneu, on a tous les risques, pas toutes les chances, mais tous les risques de se planter, quoi. Il faut anticiper à ce moment-là. Ça veut dire que celui-là, on va pas le prendre à 100 km/h, mais à une vitesse raisonnable. Et on va aussi affiner ses trajectoires de manière à les rendre plus douces et moins rigides, quoi. Il faut toujours anticiper. Se dire que par rapport à la saison, j'adopte ma conduite. Par rapport à la route, j'adopte ma conduite. Et puis de toute façon, on se met pas en danger, quoi. Ça sert à rien. Et rendez-vous demain midi pour une nouvelle chronique. Le geste qui sauve sur Énergie Angers. Très bon après-midi.